Bonjour, Miss Walker. Oh non, pas toi! Très heureux de vous retrouver enfin. Monsieur Quentin, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous ramener à la maison, de gré ou de force. Allons. Donnez-moi vos mains, s'il vous plaît. Non. 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 Je ne vous suivrai pas. Vous m'entendez? Laissez-moi tranquille. Vous êtes seul ici, sans amis ni connaissances. Et vous n'avez nulle part où aller. Moi, j'ai pas d'amis, alors là. Alors, soyez raisonnable. Tournez-vous et tendez vos mains. Et les Yougol, alors. Ne m'obligez pas à utiliser la force pour vous contraindre. Mais non! Mais je ne veux pas! Monsieur Marson? Enfin, je la tiens! Oui, elle est saine et sauve. Miss Walker est sous mon contrôle. Je vous tiens au courant pour la suite. C'est l'affaire d'un jour ou deux, tout au plus. Il y a, j'imagine, quelques obstacles procéduriers à franchir avant de pouvoir quitter le pays. Écoutez, toutes ces accusations dont on me charge sont sans fondement. Le meurtre de Hans, les détournements de fonds, c'est du délire. Et pendant que nous perdons du temps ici, je ne peux pas aider les Yukol. Or, croyez-moi, ils en ont vraiment besoin. Je ne suis pas votre ennemi, Miss Walker. Si. Si vous n'avez rien à vous reprocher, comme vous semblez le prétendre, votre intérêt est de rentrer au pays et de faire valoir vos arguments devant le tribunal. Vous n'avez plus rien à faire ici, ou, je le crains, vous ne comptez pas que des amis. Ça n'a rien de personnel, croyez-le bien, Monsieur Quentin, mais je ne repartirai pas avec vous. C'est absolument hors de question. J'ai l'impression que vous n'avez pas le choix. C'est ce qu'on va voir. Au secours! Au secours! Aidez-moi! À l'aide! Bon sang, Miss Walker! Allez-vous vous taire à la fin! Ne m'obligez pas à vous bâillonner! Bon courage, monsieur le détective. Bon sang, c'est pas vrai! Oui, oui, moi aussi j'ai bien entendu crier. Non, non, ça ne venait pas d'ici! Plutôt de l'autre côté, là-bas! Suivez-moi! Vite, je dois me libérer et filer d'ici pendant que Quentin est occupé. Vite! Il faut sortir! Bah, meuf. Ça ne me servira à rien. Inutile. Ok. Intact. Bon sang. Il faut que je trouve autre chose. Inutile. Intact. Bon oui, sang. Non, mais c'est bon. Il faut que je trouve autre chose. Regardez, autre part. Bah, ah! À moins d'essayer de fracturer le crâne de Quentin et les mains dans le dos, ça ne me servira à rien. Ah. Il découpe pas quand même. C'est pas dommage. Faudrait faire la liste des choses que Kate a fait quand même dans sa vie. Je trouve ça plutôt dingue. Ah bah ouais. C'est pas aussi simple que ça de le faire en enfin vrai. Libre. Bon, fuyons avant que Quentin ne revienne. Bien sûr. Si on prenait le reste de la bouteille. Oula, oula. J'ai appelé à l'aide il y a un instant. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu? Vous êtes pourtant bien fonctionnaire de police. J'ai jamais essayé, hein, mais... ne pas intervenir dans les affaires de ce détective américain. L'ordre vient de haut, vous savez.
Et puis moi, mon boulot, c'est de vérifier que seules les personnes en possession d'un laissez-passer conforme puissent se rendre en ville. Le reste n'est pas dans mes attributions, mademoiselle. C'est vraiment le pire, lui. Hein. Votre esprit d'initiative vous honore. Toujours est-il que j'aimerais rejoindre Valsambor maintenant. Sans laissez-passer, on ne passe pas. Le laissez-passer. Même pas peur. Miss Walker, non, attendez. J'ai un mandat d'arrêt à l'encontre de cette femme. Arrêtez-la. Chais. C'est les meilleurs, les Yukel. Mon laissez-passer. Rendez-le-moi immédiatement, vous m'entendez? Des fois, je vois la souris qui fait des ronds bleus comme si le jeu allait planter, j'ai un peu peur. Elle s'en va en mode badass, mais elle est trop badass, Kate. En vérité. Ah non, je peux jouer. J'ai cru que c'était une... Et non. Oula, où je vais? Bah, on est passé de la fille qui était un petit peu timide et qui osait pas s'affirmer à la femme qui contredit tout le monde et qui fait ce qu'elle a décidé de faire. C'est joli. Pas grand monde. Bonjour. Croyez-moi, c'est une bonne chose que les nomades puissent plus aller et venir à Valsambor comme bon leur semble. Ok. Tiri, ça a l'air grand. Va falloir faire une map. C'est joli. On va essayer d'aller voir ce souk des nomades. Paraît qu'ils font de bons prix. Bon, ok, là y a rien. Un bateau. Jusqu'au bout quand même, hein, mais. Et un pêcheur, monsieur. Un peu flippé cet endroit quand même. Hein. Pas dire. Mais... Va me dire que c'est coincé. Évidemment. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça mord un peu? Pensez-vous. Depuis 20 ans, il y a de moins en moins de poissons. Mais des fois, on peut être chanceux. Allez savoir. C'est tellement bizarre. Vous avez l'air de bien connaître la région. Peut-être allez-vous pouvoir me renseigner. J'aimerais en savoir plus sur cette légende locale. On raconte qu'il y aurait comme une sorte de monstre qui vivrait dans les profondeurs de ce lac. C'est pas une légende. Comment pouvez-vous en être si sûr? Avant, quand le lac gelait bien plus tôt dans la saison, on allait faire des trous dans la glace au beau milieu du lac, puis on pêchait comme ça. Parfois, on installait même un cabanon pour l'hiver juste à côté de notre trou. Les anciens disaient toujours qu'il fallait creuser un petit trou. Juste assez large pour que le poisson passe quand on en tient un au bout du fil. Pas plus. Un jour, un gars pas comme les autres a foré un très grand trou. Pour plus de commodité, qui disait. Et puis, au cas où il attraperait un vraiment gros morceau, eh ben vous me croirez si vous voulez,
c'est lui qui est passé dans le trou. Et puis en sens inverse, au bouillon glacé. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le bras du monstre est passé par le trou. Il a chopé le pauvre gars puis l'a entraîné au fond du lac. C'est pour ça que les anciens, ils ne creusaient jamais un grand trou dans la glace. À cause du monstre qui rôde en dessous. Effectivement, c'est dommage. Mais comment savez-vous tout ça? Parce que le pauvre gars, c'était mon frère aîné. Et puis que je pêchais juste à côté ce jour-là. Alors vous pensez... Je vous souhaite une bonne journée, mademoiselle. Ok. Je pourrais dire, je sais pas, mes condoléances, désolé pour vous, non. Qui sont ces gens? Il y a... Je comprends pas. Non mais... Je comprends pas. Même si bon, en général, ce que tu peux dire, c'est un peu maladroit, mais quand même, dis quelque chose, non? Oula, mince. Maintenant, faut tout refaire en sens inverse. Je suis très contente. Je clique à l'extérieur de l'écran. Vas-y, cours un petit peu. Il faut qu'on trouve la taverne du monsieur qui a fait sa pub quand même, hein. Très important. Alors, bah on va aller par là. On entend même les oiseaux. Ok. Bonjour. Oula, oula. Monsieur. Tout va bien, monsieur. Un peu plus et vous tombiez à l'eau. Ah, et elle... En haut. Pardon? Tout à fait. C'est moi, capitaine Obo. Obo, cher commandant du... Non moins fier cristal. Alors, pas monsieur. Eh bien, enchanté, capitaine. Moi, c'est Kate Walker. Je cherche l'atelier de l'horloger Steiner. Si je tombe à l'eau, matelot, c'est pour aller droit en enfer. Alors, faut pas. Faut pas tomber à l'eau, matelot. Tu m'entends? Ce salopard m'attend. Mais de qui parlez-vous? Le monstre du lac nous attend tous. À chacun son heure pour finir le travail. Allez, faut que je retourne au combat. Parce que faut jamais baisser la garde. Je crois que... Okay. Jamais. Tout à fait. Bon. Je pouvais pas monter. Je peux pas monter là. Mais c'est trop grand. Elle est meilleure, capitaine Haddock, quand même. Il y a des punchlines. Il y a longtemps que j'ai pas lu slash vu un Tintin. Ça, c'est une bonne idée. En plus, ils sont sur Netflix, je crois. Oh là là. Petite télé. Oui. Pas voir mieux la pièce, non, c'est juste des chaises. Ok. J'avais même pas vu le film live ni rien. Donc ça, c'est son bateau, monsieur, là. Le cristal. Ok. Bah c'est... Il y a pas grand-chose, il y a juste des chaises.
Je peux pas aller plus loin. Ok. Moi en ce moment je regarde plein de trucs. Je poste des trucs super intéressants non plus. Des fois c'est terrible parce que même avec les services de VOD, je ne sais pas quoi regarder. Je peux chercher pendant une heure sans savoir quoi regarder. C'est terrible. Oh, c'est beau! Ah, ça me plaît. Hein. Il y a quelqu'un là. Ah, oui. Bon. Pas quelqu'un qui va nous dire grand chose, visiblement. Une taverne. Ah, c'est la fameuse! Bon, on y va. Ah bah oui, tout de suite quand il y a cette saison, moi j'ai arrêté plein de trucs. J'ai recommencé des trucs, j'ai regardé des trucs de télé-réalité, j'étais à fond. Mais américaine. Je préférerais rester seule si ça vous embête pas, mademoiselle. Bien sûr. On m'a encore volé 3 poulets de canne. Excusez-moi, mademoiselle. Oui ? Je cherche l'atelier de Simon Steiner. Simon Steiner est mon grand-père. Je m'appelle Sarah. Sarah Steiner. Salut. Enchantée, Sarah. Moi, c'est Kate Walker. Vous pouvez me dire où se trouve l'atelier de votre grand-père? Ah bah oui. Bien sûr. Sa boutique est au fond de la ruelle, à gauche en sortant dans l'avenue principale. Je peux vous demander ce que vous lui voulez? Parce que c'est un vieux monsieur, vous savez. Eh bien, j'accompagne la caravane des Yukol. Et il se trouve que votre grand-père doit mettre au point une prothèse mécanique pour Kirk, leur chef spirituel qui a été estropié accidentellement. Sans cette jambe artificielle, Kirk n'est pas en mesure d'accompagner la grande transhumance de son peuple. Et puis, les Yukol ne partiront pas sans leur guide. Vous accompagnez les Yukol? Mon Dieu, quelle chance vous avez! Quand j'étais petite, grand-père me racontait toujours leurs aventures pleines de mystères et de magie. Ok. Bah si tu veux, Lord of Tissue, j'ai le temps de regarder des séries et des films et tout, mais des fois juste ça me saoule. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, quand on est H24 à domicile, des fois on a juste marre de regarder tout le temps des séries, des films. Enfin, voilà. C'est pour ça que aussi j'alterne beaucoup avec les moyens, entre guillemets, de divertissement. Parce qu'au bout d'un moment, voilà quoi. J'ai été 2 fois pendant 1 an. Ah oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire. Donc imagine, moi ça fait 4 ans que je suis malade. Donc voilà quoi. Au bout d'un moment, t'essayes de diversifier tous les genres cinématographiques, de séries, de livres, etc. Et des fois c'est compliqué. Mais je m'ennuie jamais, hein. Je suis quelqu'un qui s'ennuie pas du tout. Mais pour les gens qui me disent « Oh mon dieu, je sais pas comment tu fais », bah déjà j'ai pas vraiment le choix, mais effectivement faut trouver des choses à regarder et à lire. Et puis je vais rester toute ma vie comme ça, hein, donc c'est comme ça. Non mais c'est ça, c'est le type de réflexion que tu peux avoir quand t'es malade typiquement, c'est « Mais je sais pas comment tu fais pour pas t'ennuyer chez toi H24 » Bah c'est-à-dire que j'ai pas vraiment le choix en fait, vraiment. Vous avez l'air d'apprécier les Yukol, Sarah. J'ai l'impression que c'est rare ici à Valsambor. C'est vrai que quand il s'agit des Yukol, les gens du coin peuvent être un peu bêtes. Ils ont tendance à mettre tous les problèmes de la ville sur le dos de ces nomades depuis qu'ils sont bloqués ici. Ah, Sarah, je l'aime bien. Mais pas vous, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Durant sa longue existence, grand-père a assisté à 3 ou 4 grandes migrations d'autruches. Et il a toujours eu le plus grand respect pour ce peuple étrange. Il m'a fait partager son admiration, vous savez. Je suis d'accord avec toi, Lord of Tissue, mais c'est une conversation que j'ai eue avec beaucoup de gens. Et en fait, moi, il y a des gens qui ne savent pas quoi me demander, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, genre, j'existe, hein, je vis et tout. Mais les gens, à part comment ça va le travail, des fois, ils sont un peu réduits. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois, t'as l'impression d'être totalement inexistant puisque tu ne travailles pas. Ce qui est un peu bête. J'imagine que vous êtes très proche de votre grand-père. Oui. Bien sûr, il peut être un peu grincheux. Surtout ces dernières années. On dirait Heidi un peu, Sarah, quand même. Et vous verriez son travail?
Donnez-lui quelques rouages et quelques ressorts, et il vous en fera une invention incroyable. Avec lui, la mécanique devient presque vivante. Je vois très bien ce que vous voulez dire. J'ai connu quelqu'un qui était un peu comme ça. Le seul problème, c'est que ses affaires périclitent depuis qu'il est tombé malade. Je crois que si je n'avais pas eu ce poste de serveuse pour boucler les fins de mois, nous serions obligés de mettre la clé sous la porte. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai dit ? La vie à Valsambore vous plaît ? Oh, il n'y a pas grand-chose à raconter, vous savez. Je passe tout mon temps ici, ou auprès de grand-père depuis qu'il est malade. Personne n'aurait pu veiller sur lui à votre place ? Nous n'en avons pas les moyens. Et puis, je préfère que ce soit comme ça. Mon grand-père, c'est ma seule famille. Merci pour votre aide. Je passe voir grand-père à ma prochaine pause. Peut-être qu'on se reverra là-bas. Je l'espère, en tout cas. Au revoir, Sarah. Merci beaucoup, Sarah. Elle est trop bien. Ça, c'est mon travail, les pronoms, les personnes. Mais oui, mais je sais. Mais c'est ça qui est compliqué à expliquer, en fait. C'est vraiment la vision des gens sur la vie des personnes handies. Et qui, ou des personnes malades tout simplement, qui sont censées rester chez elles H24 et qui en plus des fois ne peuvent juste pas sortir ou pas avoir accès à certains loisirs, etc. au vu de la maladie. C'est compliqué. Alors que du coup j'ai une vie culturelle hyper riche au-delà de ça. Oh, regardez cette forme là dans l'eau, mais qu'est-ce que c'est? C'est le monstre du Loch Ness, mais bien sûr. Joli. Ce lac est hanté par un démon. Il me guette. Il m'attend, je le sais bien. D'accord. Mais oui, c'est Nessie. Oui, tout à fait. Et si t'as pas de hobby, forcément, si tu es coincé à domicile et que tu ne peux rien faire... par toi-même, parce qu'en n'étant pas autonome, tu peux pas sortir comme tu veux. Bah oui, tu te fais rapidement chier, oui, je confirme. On nous cache des choses à propos de ces nomades coincés à nos portes. Ah, ça y est, c'est un petit peu le racisme anti-nomade, c'est très sympathique. Déjà qu'on n'arrive plus à vendre nos produits depuis la fermeture du port, faut en plus que ces nomades viennent nous les faucher. Tout à fait. Après les années qu'on vient de passer, heureusement qu'il reste des endroits comme ici. Ouais, c'est trop cool avec le chaudron au coin du feu. J'espère et tout que là. Cette taverne vous plaît, mademoiselle. J'ai pas envie de lui parler à lui parce qu'il va me dire vous avez vu, vous êtes venu. Ouais, tous ces genoux qui font les malins pour impressionner la petite Steiner, ça m'énerve. Ah, d'accord. Quelqu'un qui balaye là, je peux lui parler? Mais c'est le monsieur de tout à l'heure. C'est cœur que je passe mes journées ici, croyez-moi, mademoiselle. Je vous déconseille de fréquenter le capitaine Hobo, mademoiselle. Il est toujours bourré comme un coin. Alors déjà, je fais ce que je veux. Et c'est super bien fait, la fumée comme ça au plafond, c'est dingue. Bon, allez. Ah, mademoiselle, ravi de voir que vous avez réussi à quitter le camp Yukol. Oui, je vous remercie pour le laisser passer. Eh bien, maintenant que vous êtes là, vous allez pouvoir goûter mon fameux borch. Ah oh ouais. Ça aurait été avec plaisir. Oh, j'ai mais il faut que je rencontre l'horloger Steiner de toute urgence. Simon Steiner? Ah, dans ce cas, vous devriez parler à Sarah, notre jeune serveuse. C'est sa petite fille. Oui, mais j'ai déjà fait du coup. Simon Steiner est bien connu ici, à Valsambor? Il a longtemps été une figure locale populaire. Vous savez, il n'est pas seulement horloger. Rien de ce qui est mécanique ne lui est étranger. Il réparait tout et pour tout le monde ici à Valsambor. Il a aussi conçu ce parc d'attractions de l'autre côté du lac avec un collègue à lui. Un créateur d'automates français, si mes souvenirs sont bons. Ah, on peut le dire, Valsambor doit beaucoup à Simon Steiner, mademoiselle. Alors quand il est tombé malade, j'ai proposé d'engager Sarah pour les aider un peu. Vous comprenez ? J'ai croisé cet homme tout à l'heure. Le capitaine Hobo. Il n'a pas l'air dans son assiette. Et cela fait 20 ans que ça dure, mademoiselle. 20 ans. Vous vous rendez compte? Avant, il commandait le Cristal, le bateau qui assurait la traversée entre ici et le parc d'attractions de l'autre côté du lac. Et ce n'était pas le même homme.
Oui, c'est sûr qu'en plus, on a de la chance d'entre entre guillemets à une période où on peut tout faire, c'est-à-dire que je suis dépendante physiquement des gens, mais je suis indépendante parce que je peux acheter, enfin, il y a quand même plein de moyens, tu vois, je peux acheter des livres, je peux regarder des films, je peux faire des séries, je peux voilà, faire ce que je veux, je peux jouer, je peux faire du puzzle, je peux faire enfin, plein de trucs créatifs sans avoir besoin que tout le monde aille me chercher ce dont j'ai besoin toutes les 5 minutes, parce que tu peux maintenant facilement commander, etc. etc. quoi. Donc c'est quand même pas mal. Après, je dis pas que c'est tout le temps super marrant, mais il y a quand même des moyens de se débrouiller, on va dire ça comme ça. Comment vont les choses en ville? Tout ne semble pas aller pour le mieux. Si vous voulez mon avis, l'ambiance est détestable. Une bonne moitié de la population ne veut plus des Yukol à nos portes. La plupart de nos commerçants se sont même mis en grève contre la concurrence déloyale qu'exercerait leur souk sur les commerces traditionnels. Et puis, Valsambor n'est plus la même depuis 20 ans, voilà tout. Je vais y aller. Merci encore pour votre aide. Et à bah bientôt, mademoiselle. C'était très intéressant, merci monsieur. Après, je suis pas 100% dépendante parce que c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est-à-dire dans ma journée, je suis pas dépendante tout le temps. Mais il faut jamais que je sois toute seule. Une taverne. En gros, j'ai des moments dans la journée où j'ai besoin d'aide physique et j'ai des moments dans la journée où je peux être toute seule. Mais du coup, quand Clément n'est pas là, ma maman est là. Enfin, elle n'est pas chez moi, mais elle est pas loin. Ce qui fait que si je l'appelle et que j'ai besoin d'elle, elle peut venir. Parce qu'à cause des douleurs, parce que machin, parce que je fais des malaises, parce que tout ça, tout ça. Et le petit symbole de la ville partout, mais c'est tellement mignonnet. En vérité. Moi, j'ai le problème à parler de ça, hein, donc ça ne me dérange pas du tout. Oh, une fontaine, incroyable. Salut le chat, ça va bien? Oh, ce qui m'embête un peu en ce moment, c'est que je peux pas beaucoup streamer, c'est tout. Je n'ai plus de monnaie. Dommage. On aurait pu faire un vœu. C'est scandaleux comme on traite les nomades ici. Oh, mais c'est 10 fois trop grand, regardez-moi la taille de cette ville. Comment je vais faire? Scandaleux? Tout le monde se monte la tête depuis quelques mois. Bon, y a pas beaucoup de points d'intérêt, mais c'est super grand. Ça en devient intenable des fois de vivre ici. D'accord. Pourtant, ça a l'air mignonnet. Oh, ah ouais, non, mais là... Je suis perdue. Non. J'ai. Les commerçants sont en colère. Les commerçants sont en grève. Qui vole à l'étalage dans ma boutique depuis l'arrivée de ces sauvages? Monsieur le maire, qui va payer? Monsieur le maire, reculez. Oui, d'accord. Pas de soucis. Bah, en fait, si tu veux, j'ai 3 maladies chroniques. Donc endométriose, fibromyalgie et maladie de Crohn, ce qui fait que tout groupé, j'ai des douleurs H24. Ah, mais taisez-vous, c'est insupportable. Du coup, voilà, c'est compliqué à gérer. Oh, c'est trop beau. Mais voilà, c'est ça. Cette statue. Non, c'est impossible. C'est quelque chose cette statue quand même. Hein. C'est un rapport avec Hans, tout ça. Ce serait dingue en vrai. Ça se trouve c'est son pote. C'était son pote. Incroyable. C'est fou. Bah c'est ça. Et puis. C'est compliqué à expliquer parce qu'en fait les gens sont persuadés que la médecine peut tout
et que je suis pas censée avoir mal. Sauf que ben, ça fonctionne pas comme ça en fait. Je peux y aller? Mais si, ne veut pas tout rêver en plus en ce moment. Mais... Oui, voilà. C'est. Et puis c'est compliqué pour les gens qui sont malades chroniques de s'entendre proposer des solutions miracles et autres, j'ai envie de dire, charlatanerie toutes les 5 secondes. J'ai beaucoup entendu à une période oui, tu devrais faire comme ça, et tu devrais faire ça, et tu devrais faire ça, et tu. Compliqué. J'essaie de regarder les endroits où je peux aller. Oh, c'est beau. Mais ça... Je trouve la maison du monsieur, mais alors là, hein, comment la trouver là-dedans? C'est exactement ça, mais c'est aussi très dangereux, bien sûr. Sur internet, tu... En fait, le problème, c'est que rapidement, tu peux être désespéré. Et puis, j'ai eu des moments compliqués, hein, faut pas rêver. Tu peux rapidement être désespéré et chercher à tout prix à guérir et à être mieux. Et du coup, ben, des gens qui en profitent. Donc voilà. C'est très personnel le fait de vivre la douleur et d'avoir mal tout le temps et tout. C'est un peu compliqué à expliquer. Parce que les gens, ils peuvent pas comprendre et ils essayent pas des fois de comprendre tout simplement. Ah bah c'est là, on a trouvé Steiner. Ouh, c'est joli. Oh regardez, il y a le... Oh, incroyable, c'est magnifique. Des automates! Oui! Oh là là, il est trop bien! Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes monsieur Steiner? Désolée de vous déranger monsieur Steiner. Je m'appelle Kate Walker et je suis venue récupérer la prothèse du jeune Kirk, le guide spirituel des Yukol. Eh bien, mademoiselle Falker. Le docteur Olga Efimova m'a pourtant fait savoir que ce jeune homme n'était pas encore prêt pour l'opération, et que... Monsieur Steiner, tout va bien? Ce n'est pas possible. Ce pendentif autour de votre cou. Veuillez avoir l'obligeance de me le confier un instant. Je vous prie, mademoiselle Walker. Oui, j'appelle. Je suis occupée là, oh, ça se voit pas. Va le reconnaître. Mein Gott. Un cœur d'automate XZ2000 en parfait état de marche. La mémoire à ressort compensée. Les ventricules à balancier et les petites pompes mécaniques. Tout cela semble en bon état. Donnerwetter. Mais où donc avez-vous volé ça, Miss Falker? On l'a pas volé. Alors là, non. Vous me traitez de voleuse, monsieur Steiner? Mais je n'ai rien volé à personne. Cet objet, c'est tout ce qu'il me reste de mon ami Oscar. Rendez-moi ça tout de suite. Arceau. Pourtant, je connais très bien ce genre de mécanisme de précision. Une précision diabolique. Un savoir-faire prodigieux. Unique. C'est un automatisme Vorarlberg, mademoiselle Falker. Oui. En effet. C'est bien Hans Vorarlberg qui a conçu cet objet. Vous le connaissez donc? Oh, yeah. Il a même résidé ici quelques années. Nous avons beaucoup travaillé ensemble. Il m'a appris tant de choses, vous savez. Alors il est bien inutile de me raconter des histoires, Miss Falker. Et je crains que vous ne puissiez pas partir d'ici tant que vous ne m'aurez pas dit la vérité sur la provenance de cet objet. Mais je viens de te dire la vérité. Mais... Mais j'en ai marre qu'on me séquestre!
C'est quand même pas possible, non? Oh, inutile de m'enfermer, Monsieur Steiner. La vérité, c'est que Hans Vorarlberg a été quelqu'un de très important pour moi. Je l'ai accompagné dans un très étrange voyage à travers toute l'Europe. Et cet objet que vous tenez dans la main est le seul souvenir que je possède de cette aventure. Ça ne prouve rien, Himmelgott! Hans n'aurait jamais confié cet objet à... Bah oui. Monsieur Steiner, tout va bien? Mon cœur... besoin... mes médicaments... Vite! Ils sont où? Ne bougez surtout pas, je vous apporte vos médicaments tout de suite. Médicaments, les médicaments. Où ils sont? Aucun médicament en vue. Vite! Là? Ça? J'arrive, monsieur. Oh, c'est beau. Attends, je regarde quand même. Parce que je trouve ça beau. Faites comme chez vous. Ne faites surtout pas attention à moi. ça va, je rigole. Allez, viens, on y va. Cherche tes médicaments. Ils sont en bas? J'y vais. Ouh. Qui est en train de faire une crise cardiaque, moi je suis en mode... Oh, c'est joli. Ok. Je sais pas où ils sont tes médicaments. Et pour répondre à ta question, 24 heures sur 24, quand tu as mal, c'est en gros... Mon médecin traitant explique ça un peu comme le supplice chinois. Donc tu sais, tu as une goutte qui tombe sur ton front, à intervalles réguliers. En fait, au début ça va, tu te dis bon, c'est pas très grave. Sauf que ben, t'as ça tous les jours. D'où ta vie. La prothèse de Kirk. Mais on dirait qu'elle n'est pas terminée. C'est ça. En gros, c'est ça les maladies chroniques. Et sachant que d'un jour à l'autre, t'as plus ou moins mal, quoi. Là, c'est là d'où je viens. Bon, en fait, c'est compliqué à expliquer quand t'habites pas aussi avec la personne. Il y a plein de gens à qui je raconte, en fait, ils ont aucune idée de ce que je peux vivre au quotidien. Ah, c'est peut-être là? Oula. Ça risque de lui faire plus de mal que de bien. Vous pouvez pas nous le dire où ils sont ces médicaments, non? Vous les gardez à côté de lui? Cela, bon, c'est un peu compliqué quand même. Là? Du thé? Du thé? Monsieur? Ces cliquetis doivent être usants à la longue. Je peux pas... C'est quoi? C'est... Mais la tasse... Ah oui, c'est vrai que j'ai une tasse. Tout à fait. Ah oui, mais je te confirme, ça rend pas bien. Faut mettre ça sur ça là. Ces cliquetis doivent être usants à la longue. Je peux toujours faire ça. Ok. Je vais le rendre quelque part d'autre. Eh, ça veut pas bouger. Ça veut plus bouger maintenant. Ah. Si, je peux bouger la gamme. Comment ça?
Ok, je sais pas sur laquelle c'est du coup. Il y en a 1000 en plus d'horloges, quoi. Celle-là, j'ai... c'est celle que j'ai vue. C'est pas pour regarder les oiseaux, monsieur, promis. Ouais, mais il y en a 1000 d'horloges, qu'est-ce que je fais? Bah ouais. Vite. Monsieur. Alors. Mais non, mais. M'abandonner à mon sort. Oui, c'est l'idée. Hein. Franchement, là, tu me fatigues. T'as qu'à me dire où ils sont, tes putains de médicaments. T'es pas en train de mourir, tu peux parler. C'est bon, quoi. Je sais pas l'heure qu'il faut mettre. Ces cliquetis doivent être usants à la longue. Ces cliquetis oui. doivent être usants à la longue. Bah ouais, je sais, le tiroir, je l'ai ouvert, mais je peux pas penser qu'il y a dedans. Donc... Tu peux pas me dire où ils sont? Mon cœur, il me faut mes médicaments. Vite. Aucun médicament en vue. Je le déteste déjà, de toute façon. Il y a peut-être un truc en bas, non? Ça... Quoi ça sert? Moi je sais pas hein. Vu que ça n'a pas l'air super pressé. Écoutez. Il y a un truc là, j'avais pas vu. Oui, j'appelle. Une écriture féminine qui indique « Grand-père, n'oublie pas de prendre tes médicaments 3 heures avant le souper. » Visiblement, elle a oublié. La prothèse de Kirk. Mais on dirait qu'elle n'est pas terminée. 3 heures avant le souper. Bah, ça dépend à quelle heure tu manges. Hein. Arrête, te frotte pas sur les touches, tu vas faire n'importe quoi. T'es capable de faire quitter le stream, là. Arrête de faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu attends, je vais venir après. Va voir ton papa. 3 heures avant le dîner, si tu manges à 7 heures, admettons, eh bien, mets à 4 heures. Admettons. Non? Ok. Bon bah on va avancer alors. Ah! Vous avez pas trouvé plus simple honnêtement? Franchement. Ça c'est totalement ça. Moi je suis là, je suis plus importante que ton PC, c'est bon quoi. Non mais... Franchement, si je risquais de mourir à chaque fois que je prenais pas mes médicaments, voilà quoi. Pas sûr que je serais pas plus simple. Merci de votre intervention, mademoiselle Walker. Je crains de vous avoir jugé un peu vite. N'en parlons plus, monsieur Steiner. Parlons plutôt de cette prothèse. Il faudrait que je puisse l'amener rapidement à Kirk, si bien sûr vous acceptez de me la confier. Il me reste quelques petits ajustements à faire. C'est de la mécanique d'une grande précision, vous comprenez. Est-ce que ce sera long? Je suis désolée d'insister, mais il faut aussi que je vienne en aide à ces malheureux Yukol. Que je trouve un moyen de leur faire traverser le lac avec leur troupeau d'autruches. Cela me fait beaucoup d'occupation. Une fois que la jambe mécanique sera prête, je peux aller la porter à la clinique et vous ramener le jeune Kirk. Comme ça, vous n'aurez qu'à vous préoccuper du sort des autres Yukol.
Tu vas y aller, toi. C'est très aimable à vous, Monsieur Steiner. Mais pourquoi en faire autant? Ah, je n'ai pas été très aimable avec vous tout à l'heure. En effet. Et puis la façon dont les Yukol sont traités par mes concitoyens, ici, dans ma propre ville, me révulse. Alors je veux aider ces pauvres diables. Même si je ne suis pas certain que traverser le lac soit dans leur intérêt. Quel est donc le problème, Monsieur Steiner? La prochaine étape de votre long voyage est la ville de Paranur. Elle est devenue un véritable enfer depuis l'époque de la dernière migration des autruches. Rejoignez-moi en bas, je vous prie, Miss Valker. Je vais vous montrer de quoi il retourne. Oui, d'accord. Ah, je peux prendre des trucs, incroyable. Ah, ce truc de fouiller dans les cartons, je suis fan. Cherchez près des étagères, là-bas, Miss Valker. Vous devriez trouver un film sur Paranour. Déjà fait. Ah. Paranour, cité maudite. Paranour, ville martyre. Paranour n'est plus désormais qu'un champ de ruines et de désolation. Une semaine après l'explosion du réacteur numéro 3 de sa centrale nucléaire. De l'autre côté du lac, Valsambor, à l'abri des vents dominants, semble heureusement avoir été épargné par les fumées du nuage radioactif. Notre cité s'est mobilisée pour venir en aide. Ça me rappelle quelque chose. C'est des Oscars! Des hommes et des chiens d'acier s'en vont là où aucun être humain ne peut désormais se rendre sans compromettre gravement sa santé. Là-bas, ils seront à la fois. C'est incroyable! Ces automates sont en tout point semblables à mon ami Oscar. J'imagine que c'est en leur honneur qu'il y a cette statue sur la place. Ya. Des pièces magnifiques, ist das nicht? Le modèle XZ2000 est assurément un des grands chefs-d'œuvre de Hans. Leur mission est de ramener les survivants de la catastrophe ici, à Valsambor, où les malheureux bénéficieront des meilleurs soins à la clinique du docteur Zamyanin. Mais c'est donc pour ça! Le ferry d'ordinaire chargé d'assurer la liaison quotidienne entre les villes de Valsambor et de Paranour, qui en est des sauveteurs d'un jour. Pardon, excusez-moi. Sur les lieux du drame et qui ramènera les survivants de la catastrophe. J'ai pas eu le temps de muter. Alors Paranour a subi les ravages d'un accident nucléaire. Mais d'après ce petit film, les automates que vous avez conçus avec Hans auraient dû contribuer à sauver de nombreuses vies, non ? Hélas, ça ne s'est pas passé ainsi. À cause du capitaine Obo qui... Ah, ça doit être qui, ça. Qui quoi ? Venez, mademoiselle Falcon. Mais non, tu peux pas faire je ça. Je peux vous présenter. Mais je l'ai déjà vu en plus, ta petite fille. Je m'en fous, je veux savoir la fin de l'histoire. Vous êtes très sympa, mais... C'est dégueulasse. Mademoiselle Valker, je vous présente Sarah, ma petite fille. Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas, Sarah? C'est ça. Je dois une fière chandelle à Mademoiselle Valker. Grâce à son calme et à sa présence d'esprit, je suis encore debout. Elle a su me donner mes médicaments avant qu'il ne soit trop tard. Donneur Vetter. Tu veux dire que tu as encore eu une crise? Ah, décidément, tu n'es vraiment pas raisonnable, grand-père. Il faut absolument que le docteur Zamyatin t'examine. Allons, du calme, ma petite fille. En allant apporter sa prothèse au jeune Yukol, j'en profiterai pour consulter ce bon docteur. D'ici là, pourquoi ne te rendrais-tu pas utile auprès de Mademoiselle Valker? Elle cherche désespérément une solution pour faire traverser le lac à la caravane Yukol. À vrai dire, je pense que j'ai déjà trouvé la solution.
ce navire dans le film, le Cristal. J'ai constaté qu'il était encore à quai dans le port. Je me disais que s'il a pu transporter les automates que vous avez construits avec Hans, il devrait pouvoir faire traverser le lac aux autruches. Ah, l'idée n'est pas mauvaise. Mais il y a, hélas, un problème de taille, mademoiselle Volker. Il y a toujours des problèmes, donc... De quoi diable s'agit-il ? Hobo est devenu une épave depuis qu'il a abandonné nos automates là-bas, à Baranour. Ce lâche noie ses remords dans la vodka. Il s'est convaincu qu'il a fui à cause du monstre du lac. Soi-disant, cet imbécile aurait fui le monstre, Himmelgott. Et il a fait machine arrière en abandonnant à Baranour tous les automates et aussi les personnes à secourir. Grand-père, je sais que tu en veux beaucoup au capitaine Hobo d'avoir abandonné à Baranour les automates que tu as construits avec ton ami Hans. Il devait les attendre. Qu'ils reviennent au bateau avec les personnes survivantes qu'ils auraient extirpées des décombres de la ville et puis ramener tout ce monde ici, à Valsambor. Mais quand il est arrivé sur la plage de Baranour et qu'il a vu le désastre et puis tous les morts, il a eu très peur. La maladie, les radiations, un accès de panique sans doute incontrôlable. Alors il a fait demi-tour précipitamment. Il a mis les machines du cristal à fond et il est rentré à vide à Valsambor. Et les automates sont restés à jamais là-bas en enfer. Mais qui sait, peut-être qu'aujourd'hui il veut se racheter. Je suis certaine que Kate peut réussir à le convaincre d'aider les Yukol. Il faut que j'aille reprendre mon service à la taverne. Passez me voir tout à l'heure, d'accord? Le capitaine Hobo sera là-bas. Ok. Les alertes. Je vais tâcher de convaincre le capitaine Hobo alors. Merci pour tout, monsieur Steiner. Je ne sais pas si je dois vous souhaiter bonne chance, Miss Volker. Baranour n'est plus qu'un cimetière à ciel ouvert. Ok. Bon. Mais je suppose que ça a sauvegardé, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Il faut que j'aille manger.